Bonjour, bonsoir! Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, nous allons découvrir donc dans ce... TTV, premier contact avec le tueur Pinhead de la saga Hellraiser. On est bien dans cette maison. On est grave bien. On est grave bien. Je crois que je vais... je crois qu'on va rester ici, hein. Attends, c'est quoi cette chaîne? Parce que moi, alors, traditionnellement, je ne me renseigne jamais sur les tueurs avant de les affronter pour la première fois. Jamais. Je préfère le frisson de la surprise. C'est quoi cette chaîne de souffrance et de plaisir qui apparaît? Qu'est-ce qui c'est? Au secours! Écoutez, je vous laisse. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi tout ça correspond. Je vais attendre là que l'électricité se rétablisse. Allez les amis, dépêchez-vous! Non! Ok. Laissez-moi réparer le moteur. Ok. C'est très stylé, les effets des chaînes autour. J'ai vu les films, si tu veux. Je suis très fan d'Hellraiser. Et je revois très régulièrement. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça dans un cul? Qu'est-ce que c'est? Mais... Mais non, mais... Qu'est-ce que... Mais comment on échappe à ça? Oui, mais non. C'est des zones piégées? Avec un gameplay externalisé comme celui du piégeur? Si c'est le cas, mais je vais tellement adorer. Je vais tellement adorer si c'est ça. Si c'est externalisé avec un système, avec une réflexion un peu en jeu d'échecs et en placement, mais c'est juste ouf en fait. Hein. Comment est-ce qu'on se défait de ça? Ok, lui apparemment... Il est motivé à l'idée de... Non mais... Comment se défait de ces chaînes? Ça va. Bonjour. Je suis là pour... le travail. Ok. Est-ce qu'il faut s'accroupir? Est-ce que... Non. Même en étant accroupi, je suis bloqué. Je suis plus bloqué. Non, mais c'est dantesque. C'est dantesque. La première impression est assez incroyable. C'est très le film, hein. Barker, donc Cliff Barker, donc c'est... Non, c'est avec les avec l'inspiration. Ça doit être peut-être lié à un totem spécifique. Donc là c'est plus apparaissant, mais en tout cas j'ai moi autour de moi des chaînes qui sont apparues. C'est à la fois très étrange et très excitant. On dirait les soirées du mercredi. Mais j'ai encore les chaînes autour de moi. Je peux peut-être lui montrer mon sourire et peut-être qu'en voyant le rework de mon sourire, peut-être qu'il se dira « Ah ouais, non, le gars, il souffre trop. Je vais peut-être pas le sacrifier en enfer en plus. » Ça fait quand même un peu trop pour un personnage aussi important dans The Bellerite. Merci, Noël. Bonsoir, celles et ceux qui arrivent.
et qui soit me découvre, soit découvre le DLC. Pas de backseat pour la première impression, parce que c'est vraiment hyper important pour moi d'apprécier le jeu dans cette... Oh non, il y a le cube. Ok, non. Oh. Je sais pas si je dois le toucher ou... Non, il faut pas le toucher. C'est le cube dehors. Il faut pas le toucher. Le cube, et alors dans Hellraiser, il y a un cube maudit, en fait, c'est lui qui ouvre la porte vers la dimension de la souffrance et du plaisir, et qui invoque, justement, les créatures, les cénobites. Je... Oh. Non, mais les gens, ils sont là, alors qu'on est en train de tourner ce premier épisode découverte d'immersion. Les gens, ils sont là. Do it. Do it. Fais-le. Do it. Je vais le faire hein, si j'atteins. Hein, je pense que je vais. Oh, je vais devoir le faire. Je vais devoir le faire pour. Do it. Ah voilà, ça recommence comme avant. Est-ce que je peux envoyer un modérateur, s'il vous plaît? Ah. Nom d'un cucu en mousse. Attends. Arrête mon réveil, la difficulté elle augmente. Oh non. Non, 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 tu caimes pas. Arrête. J'ai mon réveil qui s'active à ce moment. L'IRL. En IRL j'ai mon... J'ai... Oh. Non, mais... Téléphone de tes morts! Oh. J'avais mon réveil au moment où j'ai le cube dans les mains! J'ai une alarme, quoi! Pour des horaires fixes! J'ai mon téléphone, il fait... Ding, ding, ding. Oh. Oh. Ah, mais... D'accord, ok. Donc, Behaviour développe des alarmes sur Android qui s'activent en parallèle aux parties. C'est vraiment très bien vu. C'est extrêmement malin. Oh. C'est... Combien de temps c'est bloqué? Combien de temps c'est bloqué? Ok, c'est ok, ok. Non. Oh. Il a dû se déplacer le cube. Hein. C'est bon, il est parti. C'est le Dark. Merci pour les soins. Oh. Ouais, désolé. Non, pas des ans, pas des ans. Bien sûr. Je viens de la dimension des ninjas. Ça fait quoi ces chaînes? Ça fait ouïouïouï! Aïe aïe aïe! Et en fait, tu es enchevêtré. Ça va, wesh? Ah non, mais j'ai perdu mon... Ah mais non, j'ai... C'est vrai que j'ai récupéré le cube. J'avais laissé mon... S'il y en a un qui a récupéré... Non, je vais voir s'il y a quelqu'un, deux secondes. J'arrive, je vais voir s'il y a quelqu'un qui a récupéré ma trousse de soins qui était là. Non? Oui, il y a quelqu'un qui... Oh, ma trousse de soins. Je vais la laisser dans la dimension de la souffrance et du plaisir. Ok. Et il a dû utiliser le... Au secours.
Je vais rentrer à la maison, maman. Mais d'abord, je vais juste valider mon pass sanitaire. Salut, Djadja. Merci pour les 35 mois. Merci beaucoup. Oh non. Arrête de faire. Ah. Oh non, non! J'avais omis ce lé. Il est où le cube? Non! Je cherche le cube, pas un placard! Ah, j'ai une question d'ailleurs, technique. Que disent les chaînes? Ok, on voit le cube dans un environnement. Et on fuit en plus. Est-ce qu'il... Oh, c'est toi. C'est toi. Ok. Il y en a un qui l'a invoqué. Hein. Excellente idée. Super, génial. Génial. Génial, bravo, génial. Le gameplay a l'air juste ouf, quoi. En tout cas, il transcrit très bien ce qu'on ressent avec le film ou les textes de Clive Barker, donc c'est incroyable. Et la boîte, on la voit pas en fait de loin, comme les box de Pig ou comme le réveil de Freddy. Il va apparaître là. Quelqu'un ouvert la boîte, c'est-à-dire. Je ne connais rien des terres et des capacités du tueur. Je vois son adaptation de. Non. On va continuer. Il faut que quelqu'un fasse un travail. J'ai l'impression qu'il y a un mélange entre. Les abeilles! Et... Non, fais pas ça. Non. Wouah. Ah non, d'un cul. Ok. Bien joué, bien joué, bien joué. Ce qui serait ouf, ouf, c'est que... C'est que les gens travaillent un peu. Ok. Non. Ah. Non, merci. C'est très aimable. Bonjour, ça va? Oui, non, ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, ça veut dire non. On est tous en train de passer. Lâchez-moi les grappes! Ok. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça c'est la mauvaise. Okay. Merci, ça va pour le soutien, tu vois. Merci beaucoup.
On va essayer là. Salut. Est-ce qu'on peut arrêter de faire de la musique, s'il vous plaît? Ah. Oh. Bon, il est là-bas vers la porte. Donc, il va probablement rester à côté. Il était libéré. La logique aurait voulu que il se sépare de là-bas pour venir vers la porte ici. Je vais l'emmener à étudier dans mon atelier. Et lorsque j'aurai percé le secret du cube... J'irai au casino pour le parier! Oui, parce que, bon... Ah! Faut pas oublier! Incroyable. Incroyable ambiance. Ok. Je valide.